God. Allons voir le chaman. En avant. J'aurais dû m'en douter. Qu'est-ce qu'un sorceleur à côté d'un mûrier ? Il faut vraiment que j'agite cette clarine pour que tu suives. Oh, tout doux, ma belle. Par ici, Majesté. Du nerf, Ablette. Allez, viens. Hé, où tu vas comme ça ? Plus vite. Allez. Plus vite. Elle est lente. Elle n'arrive pas à tenir le rythme. Je devrais faire demi-tour. Puisque Son Altesse refuse de venir à moi, c'est à moi d'aller à elle. Elle est lente. Elle n'arrive pas à tenir le rythme. Je devrais faire demi-tour. Viens, je te ramène au chaman. Il manque sacrément. Où te caches-tu ? Attention, un ours! Allez, cours, sale bête!
que j'agite cette clarine pour que tu suives. Tu ne remplaceras jamais Ablett, mais je parie qu'on pourrait devenir potes tous les deux. Tu possèdes cette qualité essentielle que tout Ablett se doit d'avoir. Tu parles peu. Ah, ne t'éloigne plus, mon vieux chaman. Il y a des loups qui rôdent dans les champs. Une chèvre à moi, gentille. Douce, Biquette. Content pour vous, mais je suis assez pressé. Anna et Tamara, elles sont peut-être en danger. Le loup blanc a aidé le chaman. Alors le chaman va l'aider. Du sang. Il faut du sang d'une créature vivante. Très bien. Je reviens. Ça ira. Un enfant qui ne vit pas, mais qui n'est pas mort. Vous parliez d'un enfant. De qui ? Mais celui d'Anna, voyons. Anna était enceinte. Oui, Da. Et elle a fait une fausse couche. Tiens, le baron n'en a pas parlé. La peur, peut-être. La honte, ou l'oubli, ou alors un souvenir caché, refoulé. Le baron a quelque chose à voir avec la fausse couche de sa femme. Il a un sale caractère, et un penchant pour la bouteille. Ce qui ne doit pas améliorer son caractère. A-t-il abusé de sa famille ? Anna est venue vous voir. Vous l'auriez forcément remarqué. Le chaman est vieux. Presque aveugle. Mais Princesse lui a léché la main. Et alors ? C'est une bête sage qui n'approche que ceux qui souffrent. Qu'est devenu l'enfant ? Jeté dans une tombe, sans rite ni cérémonie. Il s'éveilla. Il erre désormais assoiffé de vengeance. Un couvain. Loup blanc, loup sage, attrape le couvain. Le couvain aidera. Il guidera le loup jusqu'aux êtres aimés. Les couvains sucent le sang des femmes enceintes et dévorent les fœtus. Ils n'aident en rien. Ils sont maudits. Et les sorceleurs lèvent les malédictions. Si le loup blanc n'y arrive pas, qu'il rapporte son sang. Le sang sait retrouver ceux qui le partagent.
J'ai entendu dire qu'un sorceleur avait levé la malédiction d'un couvain. Moi, je n'ai jamais essayé. Je sais qu'il faut l'enterrer sous le seuil. Et lui donner un nom. Accomplir l'Emroin. Le baptême. C'est un rituel elfe, je me trompe? Humain, elfe, nain, ancien. Les esprits n'ont pas de race. Ils n'honorent pas ce concept.